Salut, c'est Strateur! Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Clash Royale, troisième épisode. J'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Bon, aujourd'hui, on va faire une ouverture de coffre en direct. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je suis vraiment impatient parce que j'ai jamais ouvert un coffre aussi gros. Et dans un deuxième temps, je vais vous parler de mon deck du moment que j'ai monté et il est assez horrible, assez horripilant pour mes adversaires. Donc, très jouissif à jouer et je vais vous le montrer, on va bien se marrer ensemble en illustrant en live ce jeu. Allez, on est parti donc pour cette ouverture de coffre, allons-y gaiement là-dessus, c'est là, allez, bon on va accélérer, hein. On va claquer quelques gemmes, on s'en fout, j'en ai en supplément en ce moment. Allez, ouverture du coffre, oh tiens, ça débloque 3300 gold, oh mon dieu, ah ça va permettre d'améliorer mes cartes. Ah, je l'avais pas cette carte, l'armée squelette, alors je sais qu'à haut niveau c'est pas joué mais c'est vraiment cool, le miroir aussi je sais que c'est pas mal. Bah c'est cool, je l'avais pas. Oh bah, squelette géant, mon god. Je l'avais pas, j'adore cette carte hein. Ballon, j'adore aussi cette carte, je l'avais pas. Excellent, 4 cartes que j'avais pas. Oh les fléchettes, je les joue, oh yes, 359. Oh mon dieu, ça va prendre un boost. Par contre la cabane de barbare, je la jouais pas. Mais c'est cool, c'est cool. Et le golem, oh pour finir le golem, oh, 9 golems, oh my god, c'est parfait. Donc elle est direct jouable, c'est bien de les débloquer les cartes épiques. Mais si vous les avez pas en nombre, elles sont trop en retard et du coup elles sont pas jouables. Donc là, en ayant 9 golems, quasiment, je crois qu'il... Je sais pas s'il passe niveau 3, mais s'il passe niveau 3, ça va être ma seule épique niveau 3, et donc jouable. Ça, c'est cool. Bon, qu'est-ce que je peux améliorer? Mon dieu, il y a tout à améliorer. Bon, il faut d'abord peut-être améliorer les cartes que je joue. J'ai les gobelins améliorés, qui est en attente d'or, et là, je l'ai enfin. Je les joue, mais dans mon deck de départ, enfin, celui que je jouais au tout début, et... Je le sens un petit peu obsolète. Oh les ballons, oh les, oh là là, oh le roi des squelettes aussi. J'adore le roi des squelettes. Je suis gros fan de cette carte là. Mais bon, mon jeu c'est celui-là actuellement et les fléchettes. Oh, je pensais pas du tout pouvoir les améliorer et boum. Ah oh, bah ça c'est vraiment cool. Hein. En plus les fléchettes, je suis un gros fan des fléchettes. Ouais, clairement, je vais l'améliorer. Ça c'est sûr pas une erreur parce que je sais qu'à haut niveau avec la princesse en face, on est obligé quasiment de la jouer cette carte là. Donc forcément, je me pose pas de questions. Après, qu'est-ce que je pourrais améliorer? J'ai pas mes 2000 gold. Parce qu'il faut gagner de l'XP, parce que j'ai aussi envie de jouer un petit peu toutes les cartes. Je sais, c'est pas forcément très très bien, mais ça, il faut booster l'XP, donc il faut booster un petit peu toutes ces cartes de base. Oh, le squelette, le roi des squelettes, oh, il me tente trop. J'adore cette carte, je suis trop fan. Quand je la prends dans la face, je déteste ça. En plus, il y a de belles combinaisons à faire avec. Donc c'est sûr que je vais le monter, mais niveau 2, ça commence à plus être tip top. Hein. Il me faut les épiques niveau 3 maintenant à mon niveau. Hein. Quand vous êtes niveau, en gros vous êtes niveau 7-8, il vous faut que les épiques niveau 3 actuellement. Donc je sais que mes épiques commencent à être un petit peu dépassées. C'est pour ça que d'ailleurs je les joue plus. Hein. Parce que j'ai pas d'épique niveau 3. Si j'avais une épique niveau 3, je pourrais la jouer, mais il faut qu'elle ait une cohérence dans mon deck aussi. Oh le gel aussi j'adore, allez je le débloque, ça me fera un peu d'XP, oh, je suis un gros fan. Mais voilà, niveau 2, ça traîne un peu, la patte. Le ballon, oh, j'adore trop le ballon, j'adore trop le ballon. C'est génial le ballon. Voilà, niveau 2 malheureusement pas niveau 3. Décidément je suis juste au bord, ça te fait languir quoi. Mais bon, si j'avais des épiques niveau 3, ça me permettrait d'accéder à coup sûr à l'arène au-dessus. Oh le miroir, j'ai trop envie de le jouer. Voilà, oh les golems. Alors les golems, je crois qu'avec 10, je crois que je passe, ouais, niveau 3. C'est le seul que j'ai, mais j'ai plus de thunes. Le petit claquage de thunes. Ouais, j'ai toujours mes gobelins que j'adore aussi. Les gobelins, je suis un gros fan des gobelins. Bon, on va vous montrer un petit peu le deck en live. Je vais, vous en ai pas trop parlé, attendez, je vais juste récupérer ça. Ok, 10e, waouh, extraordinaire. Mais j'ai mes 40 cartes, c'est cool. Ouais, j'ai débloqué tellement de cartes avec ce coffre. Et je pense qu'il était monstrueux. Il était fait pour moi, c'est n'importe quoi. Je débloque 1 milliard d'épiques et en plus, la commune en grand nombre que je joue. À part la, j'avoue, la cabane de barbare que je joue pas, mais qui est une excellente carte, hein, mais je la joue pas actuellement. Bon, allez, voilà. Alors, vous allez voir, c'est un jeu mortier. Je sais pas si vous en avez déjà pris dans la gueule. Ouais, bon, là, je vais le laisser me le casser. Oh là là, j'ai même pas tiré. Oh là 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 là. Ouais, je vais laisser. C'est pas grave, je perds quelques points de vie, j'accepte. Normalement, j'accepterai pas, mais j'ai pas envie. Vu ce que j'ai dans les mains, j'ai pas envie d'accepter de perdre plus. J'aurais pu balancer mes squelettes quand même. Allez, hop, une petite roquette. Je suis full énergie, j'ai pas répondu à ces attaques qui m'ont gratté.
Bon là il me gratte. Oh là il y a un cochon. Alors là cochon, forcément je sors des petites merdes. Voilà, il y a le sorcier là, forcément archer. En plus ça va gratter vite fait le cochon. Ça commence à tomber lourd un petit peu ma tour là, 1700 points. Ouais, ça fait mal. Le mortier un petit peu côté droit parce que j'ai gratté plus côté droit. Hein. Le principe de mon jeu c'est de gratter une seule tour. C'est pas de faire du 3 étoiles. Ouais, allez, la mana pour les barbares. C'est pas grave, il m'a cassé mon mortier. Mais regardez le travail du mortier, c'est n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi. Boule de feu, boule de feu. Bon, il m'a calmé mes petits barbares qui ont finalement pas servi à grand chose. C'est un peu claquage Juliès, peut-être tour de l'enfer. À la pause, j'attends sa réaction. Alors là, je me rends compte que je devrais peut-être prendre les roquettes dans la main. Mais bon, ouais, bon, j'ai posé mon jeu un petit peu parce que j'ai un peu pris cher et je dois absolument pas perdre de tour. Si je perds une tour, j'ai quasiment perdu avec mon jeu. Hein. Je suis quasiment incapable de pouvoir aller casser la seconde tour. Donc il faut absolument défendre. Et là, je trouve que je suis un petit peu descendu. Donc on va la jouer prudence. Même si là, je prends un petit risque avec une roquette. Bon, il faut quand même travailler au corps. Surtout qu'il a balancé sa canonne. Hein. Comme il balance sa canonne, ça me laisse le temps d'avoir la mâche avec la roquette. Il n'a pas réellement de potentiel offensif d'écart en mana. C'est pour ça que je peux me permettre de faire ça. Allez, boum! Oh là là, la grosse assaut. Les barbares, quand il y a gros assaut, c'est les barbares, c'est meilleure carte du jeu. Je pense qu'elle doit être dans tous les decks. C'est n'importe quoi cette carte. Allez, le mortier, je vais appuyer. Oh, allez, là-bas, c'est le canon de l'autre côté. Alors là, c'est la fête. Il s'est cru débordé par des créatures, mais il n'a pas du tout compris le sens de mon jeu. Et il va le prendre cher. Allez, hop, des petits squelettes pour le cochon, ça suffira. Voilà, le mortier fait office, tu vois. Il retient pour défendre ma tour en plus, donc c'est génial. Voilà, un cochon de claqué. Et en plus, je vais aller gratter avec les archers. Voilà, un petit grattage. Et c'est ça qui est fort, c'est que le mortier, soit il casse et il fait mal, soit il casse pas, mais derrière, vous allez gratter avec quelques unités dessus. Donc c'est vraiment top top et ça défend. C'est n'importe quoi. Allez, on gratte la ligne de droite, on gratte, on gratte, on gratte. Oh là là. Allez, barbare. Voilà, alors, le potentiel offensif. J'ai toujours la sécurité avec la tour de l'enfer à l'arrière. Jolie boule de feu. Là, il vient bien me calmer. Mais boule de feu veut dire que je peux balancer ma roquette. Et voilà. Et en plus, 8, 7, 6, 5 secondes. 185, je peux pas lancer mes fléchettes. En gros, elles font 100 points de dommage actuellement avec ce niveau-là. Allez. Oh, bah là, dans le tas, il va prendre sa fléchette. Forcément. Nickel. La boule dans le feu, dans le vent. Il s'est mis mal. Bon, là, il va falloir finir le travail. Je suis en mort subite, pas de problème. Voilà, la canonne un petit peu. Allez, on s'en fout, allez, hop, terminé. Et la petite roquette qui va bien, ça va le dégoûter. Voilà. Que dire? Que dire? Mais lui, il était complètement à l'ouest. Hein. Je me rends compte que l'adversaire jouait pas très bien. Et voilà, 38 de trophées. Wow, c'est cool. Ça avance vite là, 38 de trophées. On va monter très très vite là. Si ça monte à ce rythme-là, on est parti. Ah ouais, on enchaîne, hein. On enchaîne l'attaque. Allez. Mortier, forcément, d'entrée de jeu. Il faut pas cumuler sa mana avec le mortier, en fait, pour gratter tout de suite. Voilà, il y a une petite réaction. Ouais, bon, là, je l'ai mal placé, mais... Voilà, j'ai mal placé mes gobelins. C'est question de gagner un peu de temps. La tour de l'enfer contre la Valkyrie. Hein, la tour de l'enfer, c'est contre les grosses unités, donc forcément. Même s'il y a quelques petits squelettes qui viennent faire chier. Mais je m'en fous de perdre une tour. Je m'en balance de perdre la tour d'enfer. Voilà, j'ai bien gratté. Je suis vraiment content. Je garde la roquette, est-ce que je vais balancer Oh, un squelette géant. Oh, il va passer par là. Coucou, le squelette. Alors, à moi de bien calculer, là, ça devrait être bon. Ouais, nickel. Voilà. Boum! Ça, c'est cool. Même si vous laguez, le calcul vous fait que vous ratez pas votre coup. Par contre, ouais, c'est les réactivités, si vous laguez, c'est horrible. Je peux vous le dire, parce que parfois, je suis sur mon portable avec des réseaux un peu catastrophiques. Et voilà, vous essayez d'avoir une réactivité, mais avec le lag, c'est mort. Et vous êtes complètement à la ramasse avec vos fléchettes. Allez, Valkyrie, elle va tomber toute seule. Elle est trop lente, elle est trop lente. Allez, boum, le mortier. Et voilà, on gratte. Les fléchettes, voilà. J'avais la main sur les fléchettes. Voilà, le Masgourargouille, merci. C'est cool, ça me fait gagner un élixir. Et en plus, derrière, le mortier qui gratte. Alors là, lui, il prend cher. On est juste à 1 minute 30 aussi. Il faut jouer beaucoup avec le temps avec ce deck. Voilà, je vais la jouer sécurisée. Sécurisée. Pas prendre de risque. Oh, j'ai envie d'en balancer ma roquette, mais là c'est bon. Non. C'est bon. Allez, on va la jouer sécure. Là c'est trop gratté là. Oh bah des barbares, forcément. Je passe mes barbares. Ah, il y a un petit chevalier. Le chevalier, la tour de l'enfer. Voilà. Je vais balancer mes squelettes pour. Ah, il a quand même arraché à la taper pour protéger ma tour de l'enfer.
Et voilà, c'est calmé. Le mortier, bah oui, le mortier, bien sûr que oui. Il y a des barbares devant, donc je vais en profiter, hein. Alors, la Valkyrie. Voilà, je vais attendre un petit peu. Je vais poser mes gobelins en limite de portée. Voilà, la Valkyrie qui va se lâcher sur mon mortier, mais ça tape pas réellement en fait, hein. La Valkyrie. Donc le mortier résiste. Horde de barbares en face, je pose ma horde de barbares. Voilà, il y a le chevalier, donc le chevalier tour de l'enfer. Je vais appuyer un petit peu. Ah non, 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 changement d'avis, il y a des gargouilles. Zloom, merci. Là, voilà. Et il est tout fier. Et il est tout fier, on finit le travail. Voilà, j'ai sacrifié juste un petit squelette. Ça sert à ça, des petits squelettes. Un de mana, mais vous l'avez tout de suite à disposition. Et ça vous permet de faire des petits tempos, de pas vous faire déborder par un cochon que vous n'avez pas du tout capté, pas calculé, etc. Vous n'avez pas calculé le mana de votre adversaire. C'est top les petits squelettes en fait. Je trouvais ça complètement nul quand je savais pas jouer, mais maintenant que je sais jouer, c'est totalement cheated en fait. C'est vraiment. Voilà, bah, regardez l'exemple. Hop, ça fait dévier le. Voilà, hop, il charge sur des squelettes au lieu de charger sur ma tour, donc je gagne 350 points de vie en gros. Et vous voyez, je pouvais le temporiser le temps de sortir la tour de l'enfer, c'est n'importe quoi. Et voilà, encore une victoire. Encore une victoire. Ouais, ça fait 2-0. Allez, je crois, ouais, 2-0, ça c'est ça. Allez, on continue, hein. Je vous montre la puissance du deck. Mon dieu, là, comme je joue sur BlueStack, hein, l'application sur PC, je lag pas. Donc, c'est la fête à la maison, j'en profite, hein. Je suis pas sur mon réseau pourri de téléphone. Et là, je sais même pas comment on peut m'arrêter, hein. Si je lag pas, je vois même pas comment je peux perdre. Allez, boum. Le cochon, regardez le cochon. Allez, normalement, vous faites gratter par le cochon. Bah voilà. Là, il vient pas de me gratter. Il a juste niqué mon mortard. Et en niquant mon mortard, il a perdu 400 points de vie. Voilà, les cochons qu'on balance d'entrée, vous le verrez dans plein de replays à haut niveau. Mortier, c'est bien. Tu perds 400 points de vie sur ta tour. Et derrière, bah non, tu me fais même pas un dégât. C'est formidable. Alors, oh, il pose son jeu. Ah, oh, bah alors là, il pose son jeu, il prend sa roquette. Je vais attendre un petit peu, au cas où s'il place une unité quand même, hein, pour un peu gratter. Non, il place rien, tant pis. Je balance ma roquette. Oh là 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 là, c'est la fête. Il a pas compris le jeu là. Me balancer une structure défensive alors que je suis un campeur né dans mon camp, je vais rien balancer. Je cherche pas à déborder avec des créatures. C'est des petites créatures de réactivité qui m'empêchent le débordement à tout moment. À tout moment. Tiens, allez hop, oh, le cochon, le tour de l'enfer. Les jeux cochons, ils sont légion. Et je peux vous dire que je me régale. Ah, j'ai rien contre le ballon. Bon, je vais lancer mon mortier. Hein. Quitte à y être. Je sais qu'il va pas le gérer comme il a la tour en face. Voilà. Donc je vais gratter sa tour. Pff, ça mange pas de pain. Ça l'énerve, ça les stresse les gens. Voilà. Puis bah, voilà, il va la gérer. Là, je sors mes barbares, forcément. Il y en a qui tirent la tronche. Je gratte en même temps sur la tour depuis un petit moment. Regardez, oh là là, 800 points de vie et les roquettes. Oh, Valkyrie, les Valkyries qui perdent contre barbares. C'est n'importe quoi, ça aussi. Après, parce que la Valkyrie est toujours un petit peu en retard par rapport au niveau de vos barbares. C'est une carte commune contre une carte rare. Donc forcément, une carte qui est en retard. Par rapport au niveau des barbares. Ok. Bon, bah là c'est gagné. Il me reste une minute pour aller finir cette tour, je le sais. Il me repose encore sa structure défensive, c'est bien. Mais tu veux que je campe? Mais vas-y, je campe avec ma tour de l'enfer, pas de problème. Le ballon arrive, on va le gérer, on va aider un peu la tour de l'enfer, même si la tour de l'enfer lutte très bien contre les ballons. Voilà, il y avait un gel. C'était prévisible, c'est pour ça que j'ai écarté à droite, à gauche. Je vais appuyer la riposte. Un cochon sur le mortier, c'est cool. Ça me fait rire. Bon, par contre, le mortier a servi à rien. Voilà, là, il est déchaîné, là, il est déchaîné, il détestait, il a compris le mortier, mais regarde, si tu vis le mortier passe pas, bim! 24 secondes, alors là, oh là là là, je vais blinder en défense, je vais blinder en défense, mais gèle-moi ça, mais gèle-moi ça! Allez, oui, ça fait rien du tout, je sais pas pourquoi, comme dommage la tour de l'enfer, la bombe du ballon, je ne sais pas pourquoi. La Valkyrie, bon voilà, la Valkyrie, je vais la gérer. Ouais, il est désespéré, il fait des éclairs dans le vent. Aïe, eh ben oui, aïe, 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 aïe. Voilà, terminé. Allez. Allez. Suivant. Next. Ah, oh, je me régale. Bon. Eh ben, let's go, hein, on enchaîne, hein. Je vous montre un peu le jus d'ordure. C'est, je gratte une seule tour avec mortier ou roquette. C'est un truc horrible. Et j'ai des petites créatures pour m'aider, pour m'appuyer, et des structures défensives telles que la tour de l'enfer. Alors, bon, j'ai un jeu de créatures, j'ai le. Ah voilà, hop, ça c'est les petits gratteurs. Sachez pas. Alors il faut éviter de se faire gratter comme ça. Oh, hop. Alors ça, tout de suite sanction. Ne placez pas vos trucs d'élixir dans les coins, mais bien au milieu devant le roi.
Vraiment, sauf si vous êtes un swampeur là, celui qui arrête pas de balancer des structures soit défensives, soit de créatures, etc. Et d'élixir. Mais ne les placez pas dans les coins, ça donne trop envie aux roquettes de se lâcher, aux boules de feu de se lâcher. Il faut éviter. Le mortier, bien vu, oui, bien vu, bien oui, il y a les barbares qui sont au contact de la tour. Alors là, les barbares au contact de la tour, c'est le grattage inespéré. Alors lui, il va se faire vraiment sanctionner le Samy, là, le Unstoppable. Oh, lui, il va prendre son stop. Hein. Vous voyez, à partir du moment là, c'est déjà gagné. Là, je suis. Il y a 2 minutes à tenir, mais je peux tenir mais 1000 ans avec mon jeu. Mais 1000 ans. Mais 1000 ans. Allez, je vais essayer de gratter une petite étoile, peut-être. Bon, je me débarrasse un peu des squelettes. Hein. Voilà, boum. Allez, la requête, forcément. Ah, tiens! Du gobelin, tiens, en swamp. Alors ça, j'aime pas trop les decks swampers. J'hésite à vraiment mettre peut-être quelque chose d'anti, genre une tour de bombardier, un truc dans le genre là. Ça serait peut-être pas mal contre les decks swampers, hein, parce que ça peut me déborder. Parfois, je perds. Surtout s'il les place bien. Heureusement, lui, il les passe pas bien. En gros, il les passe pas devant son roi, dans les angles. Donc, ça vraiment, ça m'arrange. Ah, ok, la sorcière. Bon, alors là, la sorcière, barbare. Barbare, ça contre tout. Dès que vous commencez à être débordé, il faut immédiatement poser vos barbares. Ouais, là, je me sens à l'aise. Je me sens à l'aise. Il va que avec sa sorcière et son swamp. Mais les barbares, c'est n'importe quoi. Comme la sorcière n'est que niveau 2, elle est en retard. C'est pas une grosse sorcière. Oh, bah alors là, forcément. You! Je dois tenir quand même en défense. Donc, bouffe les huttes. Hein, c'est one shot forcément. Le géant. Le géant. Alors ça c'est la merde avec la sorcière derrière. Ça c'est la merde. Oh là là, il fait le furie. Oh là là là, c'est pas bon ça. Oh là, c'est pas bon. Il m'envoie des fléchettes en plus. Il me fait la totale. Heureusement, il n'a pas envoyé ses fléchettes correctement. Mais ben là, je perds ma tour. Je fais le kéké et je perds ma tour. Bon, là, il va falloir répondre vite, vite, vite sur... Je vais pas me faire déborder par le géant quand même. Allez, allez, la mana. Bon, le géant s'en fout. Ce qui va gratter sur mon roi, jamais il aura l'occasion de pouvoir y aller. Mais en même temps, mon mortier qui n'arrive pas à gratter parce qu'il est accaparé à défendre. Ça paraît fou. Voilà, bon, je prépare le terrain. 3, 2, 700 points de vie, 300 points de vie. Je vais défendre quand même parce que là, balancer des roquettes, il faut immédiatement défendre. Oh là là, je peux spammer mon mortier. Mais le mortier, il l'a complètement laissé faire. Bah, merci. Bah là, c'est terminé. Voilà, terminé. Ah! Mais bon. Je vais défendre sur ça, parce que je sais pas si ça passe. Normalement, oui, c'est bon. Hein. Normalement, c'est gagné. Hein. Attendez. Ouais, voilà, ouais, j'en étais sûr. Voilà, ouais, il fait 80, 80. Ah putain, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Je peux pas perdre. Vite, 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 des dommages. Allez, va gratter les sorciers. Allez, allez, je vais aller gratter. Allez, c'est bon, elle gratte. Yes. Oh là 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 là, je me suis fait peur là, je me suis fait peur là, sur mon loupé de fléchettes. Ouais, bon d'accord, j'ai retenu, hein. Non, non, hein. Moins de 100 points de vie, non, non, sinon ça gratte pas le bâtiment. Allez, on continue la série. Bon, un petit peu de chat, hein. Allez, on continue contre... Oui. Oh, roquette. Ouh, est-ce qu'il aurait le même jeu que moi en gros? Bon, bah si la roquette, moi je me lance mortier. Oh, swamp. Oh bah la roquette dans la face, forcément. Alors quand il pose des huttes, c'est tellement cher en coût que ça lui évite d'avoir tout potentiel réel offensif quand il la pose. Donc ça je le sais, voilà, bon je vais me faire gratter mon mortier, mais il a gratté suffisamment. Par contre je me suis bien fait gratter à côté gauche là. Allez, la Valkyrie, je vais la jouer tour de l'enfer, pas de problème, ça va être géré. Voilà. Je m'attendais à un petit swamp autre chose là. Oh là, bon, très mal joué ça, très très mal joué. S'il pense niquer une structure défensive comme ça, avec son bombardier, merci, c'est gratos. Alors là, je vais être en avance, en mana sur ce jeu-là. Vous voyez, alors là, si vous ne faites pas d'erreur, ça va être sanction. Il va être complètement en retard toute la partie. Donc, il faudrait quand même que je me libère des places, parce que voilà, toutes ces merdes-là, bah, comme ça attaque mal, ça ne me sert plus à rien. Oh là là, la roquette loupée avec le sorcier, loupée. Oh bah tiens, mon loupage me permet de faire une meilleure option. Parce que j'aurais dû faire la tour et le sorcier, là. J'aurais dû la voir, en plus, la poser derrière. Ça me laissait le temps de réagir. Et eh bah ben, ça a été une meilleure option encore. Ah, il m'a quand même fait mal, hein, mais côté droit, ça commence à faire très très mal, hein, monsieur. Là, toutes ces tours sont entamées, mais ce qui m'intéresse, c'est juste d'en entamer une à fond.
Après, d'avoir les deux entamés, ça me permet quand même, au cas où si ça commence à craquer chez moi, de pouvoir me refaire. Bon, la Valkyrie, elle va être gérée par la tour toute seule. Ah, il m'entame bien les deux tours, mais voilà. Mais là, moi, j'ai une structure défensive beaucoup trop atomisée. Bon, les barbares qui feront pas. Mais je sais qu'il a pas de mana. Je peux balancer un mortier. Là, il va réagir normalement. Ah, il a rien de pas cher. Roquette sur le mortier. Alors ça, c'était nul. Ok, une hutte. Bon, il me la replace toujours très très mal. Merci. C'est pour ça qu'il prend cher sur la deuxième tour en fait. Il place toujours cette hutte derrière ses tours, c'est stupide. Mais bon. Allez, tour de l'enfer. Pour régler le problème de la Valkyrie. Le bombardier se fait gérer par les archers. Hop, 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 hop. Fléchette, merci. On vient rien gratter, s'il te plaît. Le mortier qui vient gratter, il me sort un sorcier. Ah, je peux pas sortir mes squelettes. Je sors forcément sur le côté, hein, pas collé au mortier, sinon les effets de zone auraient été indésirables. Mais j'ai suffisamment gratté. Voilà les barbares, hein, parce que là, ça commence à bien tomber. Oh, une hutte au contact, s'il vous plaît. Forcément, ça va être une tour de l'enfer. Au quasi-contact. Voilà, merci. Elle est sympa sa hutte, hein. Il sait pas où la placer, du coup il la place au mauvais endroit. Ça c'est l'impro. Et merci. Fin du jeu. 4, 3, 2, 1, terminé. Bref, encore une victoire. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que tu l'as aimé. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à mettre un petit like ou un petit commentaire, ça fait très plaisir. Un jeu vie d'amour et d'eau fraîche, moi je n'ai pas suffisamment d'abonnés pour me nourrir sur la bête. Voilà, et surtout ça me permet de sonder, hein. Le petit like, ça me permet de savoir bah, si c'est plutôt bon et il faut continuer dans ce sens-là. Si c'est plutôt mauvais, il faut un petit peu changer des trucs et un petit peu voir ce qui est pourri. Et les commentaires, ben c'est vraiment c'est le Saint Graal pour moi. Voilà, c'est ce qui me motive à sortir plus de vidéos toujours plus vite. Donc n'hésite pas à mettre un petit commentaire, même si c'est une voyelle ou une console. Allez, ciao. Et pour terminer, à toi.